Donc après, la 5e, qui est de moins en moins utilisée, vraiment. La 5e, parfois, je trouve que c'est la défense un peu sauve-tout aujourd'hui. Par exemple, sur le match, ce match-là contre Chambéry, nous, on passe à côté de notre défense 6-0 en première mi-temps. Voilà, on est derrière au score. Et le coach décide de faire une 5-1. C'est pas la défense qu'on a travaillé le plus, mais je pense que c'est pour jouer un coup. Et c'est surtout les avantages de cette défense, c'est que ça permet de mettre une pression incroyable sur les tireurs. Alors nous, en tant que gardien de but, on doit s'attendre à quoi sur une 5-1? Des tirs de l'aile, des décalages, des courses extérieures, ce qui est l'inverse de la 6-0. Donc peut-être des tirs de pivot aussi, parce que le pivot, ça laisse beaucoup d'espace au pivot pour se balader derrière la défense. Donc nous, on doit plutôt se mettre dans un mode, en fait. Par exemple, c'est assez marrant d'ailleurs, ce match-là est très significatif. Moi, je n'ai pas joué la première mi-temps de ce match-là. Et j'ai eu, sur une même mi-temps, un début en 6-0. Donc, avec les qualités que j'ai de fermeture, ce que je viens de vous montrer. Et switcher tout de suite, quand on est passé en 5-1, moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, tu ne vas plus avoir le même type de tir. Donc, tu ne pourras plus rester trop sur ta ligne. Tu ne pourras plus jouer ta relation de contre. Donc, à ce moment-là, je m'attends à beaucoup de tirs en pénétration entre les espaces, beaucoup de tirs à l'aile, voire des tirs de pivot qui décrochent derrière la défense. C'est une défense voilà, qui met énormément de pression sur le tireur, et c'est une défense un peu pour, in fine, récupérer des ballons, avoir des ballons de contre, essayer de recoller au score et mettre justement l'attaque à difficulté, puisque elle répond justement à une problématique qu'elle nous a donnée au fur et à mesure du match. Moi, mon travail, je travaille beaucoup avec la vidéo. Donc, pour moi, mon but dans les courses des joueurs, c'est d'avoir leur tir préférentiel dans les différentes situations. Sauf que la 5e met en crise de course, de saut, de position de bras, met en crise le tireur. Donc, pour moi, c'est plus difficile de lire. Et en plus, ça met en crise aussi mes défenseurs. C'est-à-dire que je peux moins jouer la relation défense, contrôleur, gardien de but, et je vais plus jouer la lecture du tireur, c'est-à-dire dans quel espace l'action va se terminer, l'action shoot, décalage à l'aile, tir extérieur. Mais l'avantage que ça me donne, c'est que, je vais prendre un exemple, si tu as une 5-1 avec un arrière qui est poussé vers l'extérieur, qui va prendre un espace entre l'ailier et l'arrière pour aller shooter, moi je vais attendre de savoir si mon défenseur il va l'enfermer premier poteau ou s'il va le laisser. C'est arrivé parfois, sous ce genre de type de défense, que je demande à mon ailier surtout de ne pas toucher l'ailier qui va shooter. Surtout. Parce que justement, ça lui permet d'avoir une autre solution que moi, je n'avais pas dégagée dans ma préparation de match sur le joueur. C'est-à-dire que l'ailier, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, je sais que lui, il adore tirer deuxième poteau en bas. Sur la défense 5-1, en lui mettant la pression et en poussant tous mes défenseurs dans la zone du ballon, quand l'ailier va prendre la balle, si mon défenseur essaie de l'enfermer extrêmement, lui, il va s'appuyer sur le défenseur dans son saut pour justement me faire un tir au premier poteau dont peut-être je ne m'attendais pas.